Les Congolaises ont donné des frayeurs aux Lions du Sénégal dans une rencontre où les équipes se tiennent de très près. Il a fallu qu'à la mi-temps que les Sénégalais sortent leurs griffes pour gagner par 7 points de différence. C'est vrai que leur jeu intérieur était beaucoup plus rude que le nôtre. On a eu du mal à contenir leurs intérieurs. Heureusement qu'on a su faire les ajustements nécessaires pour prendre la victoire. Elles ne sont pas venues ici pour se promener et elles sont venues livrées au gros match. Heureusement qu'on a su faire les ajustements pour gagner. C'est normal, c'est la Coupe d'Afrique. Tous les matchs sont très difficiles. À nous de maintenir et de gagner ce qu'on a fait. Ça a été dur hier, c'était dur aujourd'hui, mais ça montre juste le niveau de la compétition qui est très élevé. C'est normal parce que le Sénégal est attendu. On sait que le Sénégal, chaque match qu'elle va jouer, ce sera une finale et que c'est l'équipe à battre et nous, on est conscients de ça. Donc on prendra match par match. Malgré 3 défaites, l'équipe congolaise a dominé au rebond offensif pour mettre en difficulté les champions d'Afrique en titre. Je pense déjà dans le groupe, il y a beaucoup de filles qui ne croyaient pas que déjà on tenait tête au Sénégal. Je pense que c'est ça qui s'est passé un peu, mais bon, c'est le match. Le Sénégal a plus d'expérience que la République démocratique du Congo. On doit le reconnaître. Mais bon, voilà, on a perdu. C'était un match difficile. On savait qu'on avait en face les champions en titre et que rien n'était impossible, mais certes difficile. Je pense qu'on a développé un jeu qui a mis le Sénégal en difficulté. La qualification acquise avec 3 victoires en autant de sorties, l'équipe se projette déjà sur les prochaines rencontres. Je les respecte. C'est des potentiels. Après, c'est deux styles différents. Après demain, on va rencontrer un style arabe, fait de technicité, d'adresse. Après demain, le Nigeria, tout en puissance. Une équipe redoutable, mais que nous ne craignons pas. Les Lions ont remporté cette victoire par expérience, mais elles ont beaucoup souffert à cause de la diarrhée. Certaines faisaient des va-et-vient dans les vestiaires.